Le développement des petits États insulaires, l'économie maritime, la prévention des catastrophes naturelles et le renforcement de la démocratie, tels ont été les principaux sujets au menu des échanges entre Ban Ki-moon et le président seychellois James Michel. En visite samedi et dimanche, le secrétaire général de l'ONU s'est félicité des progrès remarquables réalisés par les Seychelles dans ces divers domaines. Cet archipel situé dans l'océan Indien et exposé au risque de tempête fait partie des 16 premiers pays à avoir ratifié l'accord de Paris sur les changements climatiques. Ban Ki-moon est le premier secrétaire général de l'ONU à visiter les Seychelles depuis l'indépendance du pays en juin 1976. Les deux dernières étapes de sa tournée dans l'océan Indien le conduiront à l'île Maurice et à Madagascar.